Et voilà les amis, nous allons continuer Gridfall. On va reprendre où on est arrivé. On va voir si ça charge la bonne sauvegarde. Nous sommes à Seren. Les compagnons représentent chacun un archétype de combattant. Pensez à recomposer votre équipe au campement feu de camp le plus proche pour vous adapter à la situation. Écoute-toi mon gars, tu sais pas faire pour moi. Greenblood, do you need something? Oui. I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? Lui dire qu'on avait été à ses côtés toutes ces I années. have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And I valued your friendship. But I thought you were referring to another kind of company. And to be honest, you and Constantine aren't exactly my type. C'est un gay. Anything else? Bon, il croyait qu'on voulait faire des propositions obscènes. N'importe quoi, le mec. Moi, je peux pas crafter parce que j'ai pas le truc. Je peux le vendre, ça, un peu. Ah, je peux le recycler. Pistolet réglementaire. Ça, je peux le vendre. Bah ouais, j'en ai rien à foutre de ça. Tiens. Voilà, j'avais pas besoin de trucs de marin. Boisson droguée. Cheville métallique, mais je peux pas faire. Je peux pas, j'ai pas le craft. Il faut niveau 1. Ah, c'est dommage, hein. Comment je vais faire ça alors? Il faut la taverne, j'ai fait, c'est pour Constantin. Constantin. Ambassade. Merde, faut que je retourne parler à la taverne. Pour Constantin, là. Ah, mais je peux pas. Il faut que j'aille voir l'autre truc, là. Attends. Sérène. Trouver le passeur. Attends, trouver. Réparer les dégâts, mais je peux pas. Ah, il y a un étage. Oh putain, il y a un étage. Ah non, c'est un étage inférieur, ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'était de la thune. Il y avait de l'argent. Faut que je dédommage le. Attends. Il veut que je meure. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Parlez à la passante. Et lui, c'est qui? T'es qui, toi? Donne-moi ton argent. Ah, je peux ouvrir là? Ah, il y a une pièce ici. C'est grand. On va peut-être piquer de la thune et on va le donner au mec. Il y a de l'argent, mais je peux pas le prendre là. Regarde, il y a de l'argent sur la table. Je peux pas le piquer. Ah, c'est dommage. Il y a des chambres. C'est un lupanar ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est. Oh, il y a un miroir. On peut se voir ou pas? Non, ça aurait été trop beau. Hein. C'est là que tu vois un jeu s'il est poussé à fond ou pas. Si t'as le reflet dans le miroir, c'est top niveau quoi. Y'a rien, que dalle. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ici? Étage supérieur, réparer les dégâts. Ah, y'a quoi? Y'a une pièce de l'autre côté. Coucou, c'est moi! Restez assis. Y'a pas quoi quelque chose ici? Un mec à piquer ou quoi? Ah, je vous aurais bien volé un petit peu, les amis, mais vous avez rien. Là, il y a quelque chose. Merde. Parlez aux passants. Hello. Bon, il n'y a rien. On va remonter. Viens, mon ami. Mon garde du corps. Suis-moi, on va remonter parce qu'il n'y a rien ici.
Il n'y a pas une autre pièce. Ah, il y a de l'argent là, regarde, regarde. 21 pièces, il m'en faut encore 4. Il faut que je trouve. Il y a de la thune là aussi, j'avais pas fait attention. J'ai assez d'argent pour payer au mec maintenant. Je vais voir s'il n'y a pas de l'autre thune encore à piquer quelque part. Il y a une pièce encore ici. Ah, il fait tout noir. Les cuisines. C'est les cuisines. Ah, oh, c'est cool, on peut tout fouiller, hein, ce jeu est dingue. Incroyable. Il y a plein de pièces. Ah, ça s'est fermé. Je peux pas crocheter encore. Après, qu'est-ce qui se passera, mon prochain truc, je vais acheter le crochetage. Ah, oh, si j'avais pu crocheter, ça aurait été trop bien. On peut fouiller. Il y avait un étage aussi, j'ai vu là, non? Attends, il y avait un escalier, mec. Il y a des tonneaux là. Ok, il y a un escalier, on va aller voir. T'as trouvé du stuff ici? C'est un grenier? Imagine qu'on trouve le mousse. Des vieux pots. Ah, il y a de la thune. Il y a des clés. Clés de la réserve de l'aubergiste. On les a prises? Trop bien, hein. On a trouvé les clés. Oh, il y a de la thune ici. Allez, on ouvre le coffre. Crocheté. Je peux pas? C'est où mes talents? Talent. J'ai pas de points. C'était ça que je voulais faire, crochetage. J'ai pas de points. Merde. Charisme. Artisanat. Oh, en plus, il me faut l'artisanat aussi. Oh, je peux pas ouvrir. Mince. Regarde, attends, c'est des bougies. Faut essayer de l'argent. Bon, t'as vu, on peut pas fouiller, les mecs, ici. J'aurais dû faire crochetage. J'ai fait une erreur, peut-être. En faisant charisme. J'aurais dû faire un autre, peut-être. Encore une pièce, ici. Ah, je me suis trompé de talent. Je dois recommencer. Lettre d'un alchimiste. Continuer. Lettre d'un alchimiste. Je sais pas ce que ça sert à quoi. Ok. Je peux ouvrir la réserve maintenant parce que j'ai des clés. Non, et là je peux ou pas? Merde, c'est quoi les clés que j'ai prises alors? Les clés de la réserve. C'est pas ici? C'est où la réserve alors? Merde, merde. Mon inventaire. Tous mes objets. Potions, munitions. Clé de la réserve de l'aubergiste. C'est clé ou la réserve de la taverne de Sérène. Elle est où là, c'est la réserve? C'est ça? Non, ça c'est la porte d'entrée. Tavernier. Descendre. J'ai pas trouvé la réserve. C'est pas ça quand même la réserve ici. Pour moi la réserve ce serait ça, tu vois. Ah, utiliser la clé. J'ai pas bien lu. J'ai pas la clé, il a dit. Alors c'est là. Utiliser la clé. Yes. Clé de l'aubergiste. On a pu ouvrir. On est dans ta réserve, mon mec. Alors je garde 2 chevilles métalliques, 2 pièces d'or. Je prends tout. Je prends tout, mec. J'ai de quoi réparer les dégâts maintenant. Ça c'est bien. Ah là, on a bien joué les amis. Ah, j'aime bien ce jeu, il est chouette. Ah, ça commence à me botter là. Donc on commence à comprendre un peu la mécanique du jeu. Il faut bien fouiller aussi tout ça. Aubergiste, attendez, je vais vous réparer votre stuff. And there you have it. You never guess.
Il va être content, le monsieur. Allez, dis-moi maintenant. Oui, j'ai tout réparé. Bien sûr. Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower les ruffians. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin. Ah là là, faut se dépêcher, c'est pas détendre. Merci, tavernier. Et on va aller le sauver. Allez, on part. Goodbye, man. Alors, la cacarte. Bon, on va d'abord sortir. Parce que là, ici, on voit rien. Viens. Viens avec moi, garde du corps. Tu sers pas grand chose, là. Sert pas grand chose jusque maintenant. Hein. Alors, il faut aller où? Fournisseur, famille Fontaine, Vasco, Constantin. Constantin. Faut faire demi-tour. Par où on va là? Tac, 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 tac. Ou tac, 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 tac. On va faire déjà demi-tour. Peut-être par ici. Donc on va se faire attaquer dans les petites ruelles. Hein. Garde du corps. Reste près de mon corps. On peut aller par là? Ah, ça pue cette ruelle. Hein. Sentez les odeurs? Oh, c'est un qui fait des potions de docteur. Ils sont tous malades. Hein. Ils sont malades à Sérène. Tout droit et au bout à gauche. Qu'est-ce que t'as, mon brave? Oh, t'es un mendiant, mais j'ai rien. Je peux rien te donner. Regarde, si tu mendies, il y a de quoi fouiller ici. Oh, pièces d'or, préparation, munitions, cuir. On pique tout. On pique tout, mec, on pique tout, nous. On loot, on loot, on loot, on loot. Après qu'on aura plus de poids, bah tant pis. Ah, il y a encore un coffre, là. De l'aubépine. Oh, ils sont tous malades, hein. Ils tous. C'est par là. Viens, garde du corps, suis-moi. Celui qui boit est immortel. Et ne connaît pas le déclin, car le vin y pourvoit. Quelque chose là? Ah merde! Constantin est en prison là. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy words of these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom. Une rançon? What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these. Bah moi non plus, j'ai pas envie de les payer. Libérer Constantin. Ah, il y a une échelle là. Il est où? Il est là au-dessus, Constantin. Il y a quelque chose dans le coffre ici, tiens. J'ai pas vu. De la bourrache, de la magnifique, je sais pas quoi. Plume. Bon, on n'a pas trop le choix. On peut rentrer là? Non. Il n'y a qu'une possibilité. Ah, il y a le truc qui s'est allumé là. Pièce d'or. Il y a une échelle. On va descendre. Je sens qu'on va tourner à l'affrontement, non? Ouvrir. Détruire. Science niveau 1. Préparation. Je peux pas détruire. J'ai pas la science.
Merde, comment on va faire? Comment on peut faire, les gars? Greenblood, do you need something? Bah. Ah, c'est buggé. Putain, je suis buggé. Voilà. On sait rien faire, hein. On n'a pas la science. Oh, c'est chiotte. Je suis toujours que niveau 1 en plus. J'avance pas dans les niveaux, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Repère des malfrats. Libérer Constantin. On attaque les malfrats. Ils sont où les malfrats? De l'autre côté de ce truc. Attends, action. Attaque rapide, coup de pied, parade, technique, tir, lumière, potion, potion de soin. Ah, les mecs ils sont de l'autre côté, là, repère des malfrats. Libérer Constantin. Bon, faut faire tout le tour de l'autre côté là-bas. Rentrer par là ou pas? Non. La détection des ennemis. Lorsque le joueur est en position de furtivité, un détecteur de détection. Votre présence est détectée, se remplira. Un détecteur de suspicieux est détecté. Furtif. Merde, y en a partout des mecs. Merde. Clé de la cellule de Constantin. Pièce d'or. T'es blessé, mon gars? Attends, comment est-ce qu'on voit les équipiers? De Sardé, c'est moi. Je fais un peu le tour pour voir que plante, pas d'information, congrégation. Greenblood, do you need something? I must leave. Moi, je crois qu'il était blessé, qu'il fallait le soigner. Je comprends pas trop comment ça marche. Il y avait encore des mecs en bas, ils sont plus là. On les a tous tués. Attends, on les a tous tués les mecs en bas? Il y a peut-être à looter maintenant alors. Pas quelque chose à fouiller? Ah là, tu vois. Munitions pour les armes à feu, préparation alchimique empoisonnée, pièces d'or. Cool. Ça nous fait un petit stuff en plus. Oh, on a la clé de la prison, hein. Repère des malfrats. Il est où notre copain? Constantin, où est-ce que t'es? Constantine. Il y a une planche, je peux monter là?
Passage secret? Non. Merde, je suis coincé. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Potion d'équilibre, pièce d'or. Des potions d'équilibre. Ça commence à être compliqué, toutes leurs potions, bazar, là. Je vais tout fouiller, moi. Si je libère l'autre, j'ai peur que la mission soit terminée. Ah, il y a du truc ici. Clé de la cellule. Ah, bah, j'ai bien fait de monter. On n'aurait pas pu l'ouvrir, de toute façon. Tu vois? Mon instinct est bon. J'ai un peu l'habitude des jeux. Tu lisais la clé? Ah, c'est là? Constantin, t'es là? Ah, bah, mince! Il se la pète en plus. Constantin d'Or. Dis merci. Constantin, it's me. My dear cousin. Oh, my lucky star. Always there before we had a bright fire. I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by our Il parle le bon anglais, hein. Le bon anglais british. You know what he thinks. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself Gouverneur. Of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. If you only knew how these Retrouver et rendre ses vêtements Constantin. Vieux pourpoint brodé. Munitions, onguent d'armure, pièce. Un onguent d'armure, ça existe ça? C'est où qu'on voit les personnages? Le L. Qui est un ex-contrat. C'est comment qu'on fait son équipe là, il disait tout à l'heure. Non. Non, 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 excusez-moi, je me suis trompé. Trompé de bouton. Bon. Quelque chose là. Potion, pièce d'or, rubis. Pique tout. Encore une malle. Pièce d'or, vieux pourpoint brodé. Équipement de vos sélectionnez Constantin depuis l'inventaire gauche-droite. C'est lui. Il est où Constantin? J'ai encore mon... C'est pas ça mon équipe? De Sardé. Je sais pas où il est. Constantin. Comment je peux choisir Constantin? Changer de personnage. Ah voilà, c'est ça. Constantin. Personnage. Équipement. Note les bases du combat pour H. Je trouve pas. Lettre d'un alchimiste. C'est guide de jeu. Ça c'est quoi? Vieille rapière. Clé de l'aubergiste. Munitions. Rubis bourrache. Clé de l'aubergiste. Raisin de mer. Je comprends pas. Mon sac. Rapière. Vieux pourpoint brodé.
Voilà, c'est ça, c'est à lui, hein, le vieux point brodé. C'est ça qu'il fallait faire. Je comprends pas trop comment ça marche. Ah ouais, tous les équipements, je peux les mettre à tout le monde, quoi. Je peux intervertir les équipements. Voilà, mon bon Constantin, tu es tout beau. Je t'ai retrouvé ton pourpoint. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Allez, laissez-moi passer. Je sais plus ce qu'on a fouillé, pas fouillé maintenant. Là, c'était ta cellule, hein, c'est ça. Il y avait pas de thune dans ta cellule, non. Ok. Bon, cet étage-ci, je crois qu'on a tout fait. On a tout fouillé, hein. On descend. On avance. Ici, j'ai pas fouillé comme il faut. Il y avait des pièces là-bas. Il me semble qu'il y avait quelque chose ici. Ah bah voilà, il y avait une pièce ici. Oh, c'est la terrasse, c'est la sortie. Merde. Ah, c'était la sortie ici. Attends, il y avait autre chose que j'ai pas fouillé par ici alors. Tout au bout, il y avait pas une autre porte, ça. On n'est pas venu ici, hein, les gars. Pièces d'or et munitions, fantastique. Commence à avoir pas mal. Ah, je peux pas crocheter. Hein. Il faut absolument que tu fasses le crochetage. Hein. Ce talent est vraiment nécessaire. Tous les loots qu'on rate là, les gars, avec le crochetage. Mince. Allez, on se taille. Je crois que j'ai fait une erreur de début de jeu de ne pas avoir choisi le crochetage. On peut descendre là. Il y a peut-être quelque chose. Attendez. Faut toujours bien tout fouiller, hein. C'est un repère de malfrats et il y a peut-être à garder. Pièce d'or et antidote. On nique tout. Détruire. Ah ouais, c'est la porte d'extérieur. On ne pouvait pas faire. Ah, y a du loot. Pièce d'or et potion magie. Clé des criminels de Sérène. C'est la clé pour ici? Ah non. Cette clé, elle ouvre quoi? La clé des criminels. Attends, il y a peut-être un truc qu'on peut ouvrir avec la clé maintenant. Je vais retourner voir. Non. On va retourner voir. Il y a peut-être un truc qu'on peut ouvrir maintenant avec la clé. J'aurais dû fouiller ça avant. J'étais con. Ici, il y avait des trucs. Peut-être on peut ouvrir. Utiliser la clé. Yes! Pièce d'or, 70. Potion des brumes, 4 munitions, potion de furie. Tout. Ah, bah on a bien fait de remonter voir. Hein. J'ai plus la clé des malfrats maintenant. Équipement. C'est où qu'on voit ça? Dans ma sacoche. Clé de l'aubergiste. J'ai encore une clé de l'aubergiste. Service de la taverne, je l'ai pas vu. Ça ouvre la porte. La porte de service de la taverne. Plume prise sur la dépouille d'une créature. Revendez-la auprès d'un marchand. Rubis, pierre précieuse en artisanat. Un artisanat. Utilisé en science. Broche, aubépine. C'est tout pour du craft. Pose une préparation empoisonnée. Potion de brume. Furtivité. Ah, c'est cool. Je sais pas comment on fait pour utiliser tout ça, moi. Antidote. Mon gant d'armure. Préparer une armure. Potion de magie. Potion de soin. Munitions. Les armes à feu. Cool. Comment ça va être bien équipé, hein, les mecs. Allez, on y va. Comme quoi, il faut. C'est surtout en fouillant tout que ça fonctionne bien. Ah, on se taille. On pouvait sortir par ici, non? C'était où la sortie? Bon, alors, on va aller par en bas. Why not? On sort. C'est ici qu'on sort, voilà. Ah ouais, je suis descendu pour remonter, je suis con.
On y va. On se taille. Y a pas d'autre chose à fouiller là, non? On peut pas rentrer. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le capitaine Vasco, trouver le passeur. Négocier avec le fournisseur. Trouver, confronter les ravisseurs. On va faire celle-là. Faut aller. Droite. Oh, c'est compliqué. Hein. On peut passer par le marchand. À la taverne. Le marchand, il est là. On peut aller tout droit alors. Coucou, bonjour. Ah, c'est ici le marchand. C'est où? Il y a quelque chose à droite ici. C'était quoi ici? C'était l'hôpital? C'est l'hôpital? C'est qui lui? Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Not yet. You know this type of mission is not really my speciality. Ah oui, il nous a donné. But the commander did give the order to you. His Excellency. Nous a donné une mission, c'est ça? Well then, I await your return with utmost impatience. On va essayer, mec, tracasse pas. Ok, on va le faire. Regardez, on est 3 au lieu de 1 maintenant, donc. Vous avez pas de l'argent caché quelque part, monsieur l'intendant, des fois? Par exemple, ici, tu vois, t'aurais caché une petite thune pour moi? Parce que moi j'ai besoin de motivation là. On sort par derrière. Il y a un chapiteau. C'est quoi? Ah, c'est tous les malades ici. Bordel. Ils sont tous en train de mourir, les pauvres. Les anciens entrepôts. On peut sortir par là ou pas? Non. Tout est fermé? Attends, il y a une porte là. C'est bloqué. Ok. Bon, on aurait essayé au moins. Tant pis. C'est blocked. Il a dit que c'est blocked. Bon, on se taille. Quoique, attends. Merde, c'est pour ouvrir. Ok. Bon, il y avait un marchand ici à côté, non? Il est là? Il est où? C'est lui? Il est où le marchand? Un truc qui brille là. Des pièces d'or! Comment les pauvres gens à côté n'ont pas vu qu'il y avait des pièces d'or? De l'essence de monstre. C'est quoi, un charlatan? Un charlatan? Et il me laisse pas passer. Ouais, c'est un charlatan quoi. Ils vendent des soi-disant remèdes miracles. Attends, il est où le marchand? Il est là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Acheter quoi? Une arme de mêlée. Arnaud du Diacre. Je sais pas ce que c'est. Il vend des pistolets aussi. Pistolets multiples à roquelles usées. Prix 152 pièces d'or. J'ai combien de pièces? J'ai 153. Comme par hasard. Fusil réglementaire. Ah, un fusil. Pistolet. Et ici, anneau du diacre, je sais pas ce que c'est. Ça coûte cher.
Ah ouais, ça coûte 152 ballottes. Hache de guerre émoussée. Masse de forçat. Grande masse à pointe. J'ai l'air malin avec ça. Espadon. Sabre ancien. Vieux sabre piqué, ça c'est celui que j'ai. Ou épée à deux mains du capitaine. Ce qui est vert, c'est ce que j'ai. Épée à deux mains de capitaine. Dégâts physiques 252. Dégâts d'armure. Bah celui-là, c'est une lame à deux mains. Et... coup. Attitude furieuse. Génération de déséquilibre. Pourtant, j'ai pas acheté quand même. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Ne dis pas que j'ai acheté ça. Ah, j'ai eu peur. Ok. Attends, en armure. Ah, on peut acheter un beau chapeau. Pourquoi il est vert? Ça fait quoi? Armure. Celui-là me donne un peu plus d'armure. Qualité 35. J'aime bien le chapeau que j'ai, il est beau. Ils vendent des préparations. Ils vendent des trucs. Des objets de quête. Ils vendent des objets de quête. Rendormir. Ah, les fameuses chevilles que j'avais besoin. Je vais voir la vente. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Tricorne usé. Ça, je peux vendre alors. Chapeau de départ. C'est toutes des potions. Le rubis. Attends, il y avait un truc que je pouvais vendre. C'était quoi que je pouvais vendre? Il avait dit le monsieur. Munitions. Oh, munitions, j'en ai beaucoup. Antidote. Une plume. On peut vendre ça? Ça vaut que 4 thunes. Revendez-la au ventre près d'un marchand. Voilà. Les vendus. Champignons, boîte, minerai de fer. Potion de magie jaune, majeure. Pour le moment, je sais pas encore ce qu'il faut faire, quoi. Si je fais achat, attends. Vente. Armure. Mon chapeau, il est qualité 15. Si je fais achat... achat de chapeau. Ah ouais, 35, c'est beaucoup plus. J'achèterai ça. 83. Qu'est-ce que vous pensez? Non, ça c'est pas bon. Ça, ça peut être bien, non? Qu'est-ce qu'il y a d'autre en armure? Caban, un coltin de second, c'est cher, j'ai pas assez d'argent. Cabas de douanier, ah non, c'est carrément des vêtements élégants. Ces gants, ils sont bien. Gants de second, gants de marin, vieux gants renforcés. Je ferai ça. 18, 22, 23, 21, 22. Équilibre. Résiste aux éléments, résiste à la magie. Pas mal de gants de marin là. Qualité 37. On s'achèterait ça? Allez. Why not? Les bottes. Il me reste un peu de thunes. Et les bottes souples. Bottes de soldat.
équilibre, armure, plus 9 d'armure. Allez, je vais acheter ça. Qu'est-ce qu'il me reste là? Petit collier. Coup. Cape de marchand. J'ai plus d'argent. Je peux peut-être vendre des potions, mais je sais pas. Potion de furie, ça vaut cher. Hein. Alors, dans les armes. Achat d'armes. Je m'y connais pas encore trop dans les trucs. Pistolet réglementaire. Un rubis. Utilisé en artisanat. Chapeau. Potion de soins, non, ça on les garde. Potion de brume. Furtivité. Empoisonné. Préparation empoisonnée qui explose si un ennemi passe à proximité. Empoisonne tous les ennemis à côté. Bon, ça vaut pas cher, on va les garder. On va garder ça pour le moment. Bon. Alors, il faut aller là-bas. On va à gauche. À gauche, c'est là. Gauche. Je crois que c'est à droite. Non, on peut faire gauche. Gauche. Droite. Gauche. Ah, il y a un pont. Non, il faut... On peut aller par là? On peut pas aller par là? On peut longer le bord? On peut longer le bord. Il y a des affiches. Comment on fait l'équipe avec mes amis là? Je ne sais plus comment ça marche. Le marchand est là? C'est ça qu'il a dit? The marchand is there. C'est lui. C'est vous, le marchand? You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain. It's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Your master has apparently asked you to demand a second payment. That's right. And so he must... I'll be damned. Sorry, Captain. Following orders. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise. If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. Ton maître, it's attends. My master. This well. Stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Bon, on va régler son compte au maître. Menacé de prison. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sade, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable. Especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders.
That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. Ah, mon talent de charisme a réussi. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Yes. On a monté notre réputation. Yo yo, informez l'intendant de la caserne à ses âmes. L'intendant, il faut retourner chez l'intendant. C'est qui l'intendant? C'est lui. On va y retourner. Ok, on retourne chez l'intendant les gars. Pop, 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 pop. Monsieur l'intendant, monsieur l'intendant. On est là. On est là. Même si l'intendant il ne veut pas, nous on est là. Je pense que c'est là, hein. Oh, pile poil. C'est ça? C'est ici ou c'est la taverne, ça? Non, c'est l'intendant. Ok. Monsieur l'intendant, nous avons réussi votre mission. Voilà. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tirfredi as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise in contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Ben voilà, ça c'est fait. Que okay. Le mec il nous demande de faire du trafic d'armes maintenant. Quand même un peu poussé, hein. Capitaine Vasco. Alors là c'était quoi, la maison de la famille Fontaine? Et là c'est l'ambassade. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue la mission là ou on fait ça d'abord? Qu'est-ce que tu penses? Comme on est tout prêt, on irait bien ici, non? Prévenir l'ambassadeur. C'est en face, là-bas. C'est pas trop loin, celui-là. Hein. Je crois que c'est la porte de l'ambassadeur, c'est la porte verte. Ouais. Your Excellency. Y'a pas un truc à piquer chez vous, votre Excellence? Non, ok. Ambassadeur. I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him.
But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. I need to be going. Goodbye. Je crois que c'est le charlatan qu'on a déjà croisé. Hein. Celui qui vendait des potions magiques là. Il doit pas être loin lui, hein, le charlatan là. C'est lui. Bon, on s'en occupera après. On va d'abord aller à la maison de famille Fontaine pour voir les ravisseurs du petit Mousse. C'est ça. Hein. On va essayer de trouver l'explication pour ceux qui ont kidnappé le petit Mousse. Ah, c'est à gauche. Par là ? On peut aller comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok, on va voir. Je sais pas si on peut aller par là. C'est coincé là. On va passer par là alors. Oh putain. Ah bah on a près du charlatan. Devant à gauche c'est le charlatan là. Merde. Pourquoi il sort son épée? Je sais pas. C'est le marchand normal. Le charlatan il est à droite. Par là. Merde, il m'a tiré dessus. Je vais fouiller. Pièce d'or. Chaussures d'artisan et pièce d'or. Wow. On peut revendre ça au mec là. Chaussures pourries là. Ah non, ça c'est... Non, ça c'est l'autre marchand. Il est blessé lui, pourquoi il est rouge? Je sais pas pourquoi il fait ça. Et lui? Comment est-ce qu'on fait les compagnons? Équipement, codex, journal, carte, équipement... Ok. D'accord. J'essaie de m'y retrouver. Hein. Il est où l'arnaqueur? On s'est carrément planté là. On s'est carrément trompé de côté, les amis. C'est carrément de l'autre côté là. Allez, un petit chemin. Le charlatan, il est dans le coin ici. Il est pas là. Il est pas là, le charlatan. À droite. On peut pas aller par là. On peut grimper? Ouais. Ah, je savais pas qu'on pouvait grimper. Mais il est là, le charlatan. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. D'arnaqueur. This little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the malicor. Alas, not yet. But your question is legitimate.
I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Ouais, lui fait carrément le complice. Il y a toujours un complice du charlatan qui incite les gens à acheter. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, allez, on va le démasquer. Et tu vas boire toi-même ta potion. Bois 10 bouteilles pour voir. Voilà, c'est ça que je voulais faire. J'en bois un peu tous les matins. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I swear you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. And in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. On va le forcer à boire une. Have you finally made up your mind? Are there any nasty side effects with this remedy? Les effets secondaires. There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. I will think about it. As you wish, but don't wait long. It won't last forever. Il était où le mec qui dit que je vais en acheter deux? A mon avis, c'était son complice. C'est pas le mec là avec le chapeau? Je parle à l'ouvrier. Ah merde, c'est pas ça que je vais faire. Elle est où sa carriole? Il faut trouver sa carriole, il a dit le mec. Je sais pas où elle est. Démasquer le charlatan, mais comment on va faire? Elle est où sa carriole? Attends, faudrait le forcer. Comment on peut le forcer? J'ai déjà demandé ça, mais je sais pas ce qu'il y a. Rien demandé d'autre. Hein. Okay. Comment faire? Ah, ça c'est une énigme pour moi. Attends. Au passant. Ah, c'est ça sa carriole. Merde, je me suis trompé. On peut pas grimper là? Technique, potion. Je ne sais pas comment faire. On peut monter là au-dessus? Non. Pourquoi ça fait ça quand je fais la barre? Peut-être par l'autre côté? Comment on peut accéder à sa carriole? Ah, on peut rentrer là. Ah ben voilà, il y a du loot ici. Remettre du charlatan.
cahier de recherche alchimique. Ok. On se fait attaquer. Il est mort ou pas? On les a eu les gars? Pièce d'or. Ah oui, j'oublie que j'ai mes deux copains. Pièce d'or. Vieille pèlerine de cuir. Pièce d'or. Attends, vieille pèlerine de cuir? Ça a l'air pas mal ça. Elle est où? Tenue de voyage, vieille pèlerine de cuir. Ah, je vais mettre ça. Je suis plus fort avec ça. Regardez ça, j'ai pas l'air d'une bonne vieille pèlerine de cuir moi. Ça a l'air pas mal ça. J'ai l'air d'un bandit maintenant. Ah, il y a un coffre. Potion, munitions, vieux gants. Vieille botte. Les vieux gants, ils ont l'air pas mal. Merde, j'ai acheté des gants tout à l'heure pourtant. Attends, gants. Gants de marin. Qualité 37 pourtant. Non, je vais garder mes gants de marin. Ok. On a la potion. On va le forcer à le faire boire. Venez les gars. Attends, il y a encore un truc. J'ai pas eu le temps de fouiller. Note de l'aubergiste. A demandé à ce qu'on ne le nettoie pas durant son séjour. Ce vieux fou donc on casse ses fioles. Le client est roi. Note de l'aubergiste à la servante. Ok. Allez les gars, on y va. On va lui faire boire sa merdouille lui. On va bien s'amuser là. Monsieur le charlatan. Oui. Présentez le remède. This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it. You might have put something in it to cause me harm, further disgrace. No, look, the vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, look, you don't have the right. Damnation, he got away. Il a filé. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Faut aller fouiller à la taverne. Ok. Ah, c'est bien, j'aime bien moi ces petites histoires, c'est cool. La carte. On va retourner à la taverne. On va aller juste à côté de la taverne. On est juste à côté là. Le mec il a vite fouillé hein. Tavernier. C'était où les chambres? Allez, on a la clé. Je sais pas c'est quelle chambre. C'est lui, l'arnaqueur. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy. To criticize their methodology, I saw them inflicting torture on sick prisoners. Making them drink the most vile poisons to find a remedy to the malachor they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred.
Dr. Sahin warned me that you're an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled. But I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the mana core. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well, then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Let's go and find the alchemist. We need to get him out of here as fast as we can. So, did you find a way to get me out of here? Suivez-nous, on a trouvé. Yes, I need to get you out of here. I've unlocked the service entrance. You'll be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob. You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients. Négocier avec la foule en colère, ça va être compliqué ça. Il suit le mec? Ouais. Ils sont bien faits leurs petits scénarios, hein. C'est bien scénarisé et tout. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ok. Anciens entrepôts. Par où il faut aller maintenant ici? Par là? C'était chez le mec là. On peut pas ouvrir. Ah mince. Parler. On est à courte. Partir. Qu'est-ce qu'il faut faire, mec, ici maintenant? Je sais pas. Alchimiste, taverne. On a pris la porte de service, mais je sais pas par où on peut se barrer. On est coincé là, non? Ah, on peut parler au mec. Greenblood.
Ah non, bon, c'est pas lui que je veux parler. Je voulais parler au marchand, non? On peut pas marcher au marchand? Alchimiste à un mètre. On peut pas. Attends. Ah, on peut grimper? Ben voilà. On s'est fait attaquer là. C'est good. Ça va, on n'a pas trop de dégâts. Vieux gants renforcés, pièce d'or. Merde. Pièce d'or. Bon, au moins on gagne quelques pièces d'or. Alors il faut aller par où maintenant? Alchimiste. On fait quoi? Il nous suit encore le marchand. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par où qu'il peut quitter la ville le monsieur? Je comprends pas trop. Ah là, c'est là peut-être. Escorter le charlatan. Il faut faire demi-tour, passer devant l'atelier. Demi-tour par l'autre côté. On doit traverser la foule, ça va être chaud quoi. Bah comment tu veux qu'on fasse d'autre? À gauche. Putain, il m'a tiré dessus. Je sais plus qu'est-ce que je tape. Ah, j'ai pris des dégâts. Pièce d'or. Pièce d'or. Pièce d'or. Pièce d'or. Ah, il y a encore un là. C'est quoi ici? Je peux pas, j'ai pas le truc d'artisan, je peux pas crafter rien. Ah là, il y a une boîte. Potion de furie. Ah, j'aurais peut-être dû prendre une potion de furie, mais j'ai pas eu le temps là. C'est vrai qu'on peut faire un genre de pause. Je devrais faire attention la prochaine fois. Alors, on va par là. Ah oui, c'est où il y avait le charlatan en plus là. C'est ici qu'il faut aller? Ouais. Ta carriole. Just do us the favor of never coming back, and stop this deceitful commerce. Have no worries about that. I'm not going to forget this lesson. Lui laisse une chance, hein, c'est cool. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. Il m'a donné 80 pièces d'or. Ah ben, c'est bien. Ok. On va aller informer l'ambassadeur. On fait demi-tour, on prend le pont. Ah, on peut aller directement, ça c'est bien. On peut être téléporté chez l'ambassadeur. Ah, ça c'est cool ça. Lord de Sade. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge?
Our relations hang essentially on the quality of our trade. The exchanges are very profitable. I will not hide from you that we have hoped you would join, but your princes insist on maintaining. It is by all means a respectable position, even if it means you also. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. The Alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sard, became the capital. This union was originally put into place to better resist the appetite. But our ancestors quickly realized that the union. And of course, exchanges in knowledge were strongly in. Today, it is by no means an overstatement to claim. Each day, we push the limits of our understanding further. The Bridge Alliance has been on Tir Fridi for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around. Alas, I haven't been able to go there myself. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna. That we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. And what of your war with Talene? It has been dragging on. If those bigots hadn't gotten it in their heads to combat, that's the way of the world. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, direct conflicts are in fact quite rare. But I tracked down your man near the Coin Guard barracks. Finally! Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fridi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Goodbye. Oh, 50 pièces d'or. Le charlatan m'en a donné 80, lui. Ah, je viens de passer niveau 3, mec. Attends. Est-ce que j'ai pas des compétences maintenant, non? C'est où qu'on voit ça? Mince. Ah, c'est ici. Lama une main, tire. J'ai 2 points. Attends. Le talent. Crochetage. Ah, il faut que je sois au niveau 5. Artisanat niveau 1. Ah, j'ai pas de points pour ça. C'est pas les mêmes points. Attributs. C'est quoi les attributs? Ok. J'ai que des compétences. Attributs, j'ai 0. Points, j'ai 0. Point suivant, niveau 4. Niveau 5. Ah ouais, c'est lent. Par contre, là, j'ai 2 points. Lama Inma. Stase. C'est de la magie. Anneau de magie divine. Piège. D'équiper et utiliser des pistolets. Tir fait plus de dégâts. Lame à une main. Arme d'impact. Masse, marteau et hache. Qu'est-ce qu'on fait les gars pour... Là, on a déjà ça.
assis inséré sur le pas des maîtres. On augmente notre capacité de tir ou on augmente encore ça? Allez, j'augmente de deux fois. J'ai augmenté de deux fois mon dégât de lame. Pourquoi il me dit ça, Codex? Puissant des bépines dans les régions de l'île. Rubis. Ingrédients. Cuir. Certains animaux. Minerai de fer raffiné. Ah, il dit les régions où on peut trouver les trucs, quoi. Champignons, la bourrache, fleurs, c'était fleurs bleues, bépines, c'est fleurs rouges, lettre d'un alchimiste, cahier de recherche alchimique, notre de l'aubergiste à la servante, bourrache, pas d'informations, sérène, la plus grande cité des marchands, okay. Ça c'est tous les personnages. Bon ben voilà, hein, on progresse les amis. Je suis niveau 3, on a augmenté un peu notre truc. Il faudrait peut-être aller là-bas. Maison de la famille Fontaine. C'est tout à fait à gauche. Par là. On repasse où il y a le bûcher. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il faut, une prière? C'est une secte? Ah, c'est quoi? C'est citoyenne. Bon. Alors c'est où le mec? Ah bah c'est là. C'est cette maison, c'est les portes vertes. D'accord. C'est celui qui a enlevé le petit mousse, hein. Oui, le petit mousse. On va fouiller, on va te piquer toute ta thune, toi, tu vas voir. Vous avez enlevé mon petit copain le mousse du bateau. I've seen you at court. You are Lord de Sade, and to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. I'm very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly, witnesses in a tavern, and you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards. On voudrait bien le voir pour parler avec lui, le mousse, s'il vous plaît. How did you find your son's trail? We have never stopped looking for him. We learned the new name they gave him, Jonas. My poor little Celestin. Then we learned the name of the ship he sailed on. No sooner had it docked in Serene than my husband had the crew watched closely, and we found him. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact? It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit to a dubious means.
Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiry yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. With respect, my lady. Oh, merde. Je crois qu'il y a encore quelque chose avec les notes. Bon, bon, on va sortir. On peut pas te piquer un peu de la thune, là? T'as plein d'argent, toi. T'as peut-être quelque chose que t'as pas besoin dans la maison, là. Hein? T'imagines, chez les riches, on peut rien piquer. Quand on voit chez les petits pauvres, on pique plein de trucs. C'est quand même dégueulasse. La servante, elle fait les bougies, elle. Might I help you, sir? Non. Je need to be going. Farewell. Fidim aurait peut-être pu me donner des informations sur les notes. Bon, faut aller où maintenant? Ils sont où les notes? C'est loin. C'est quoi ce repère? Bon. Attendez, j'ai toujours pas été soigné, moi. On boit une potion. Hop. J'ai plus beaucoup de potions, on va voir que j'en rachète, hein. Potion de soin. Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? J'ai plus trop de choix, hein, ça c'est quoi? Je ne sais pas, il y a un point d'interrogation. On peut aller voir par là. Je sais pas par où il faut aller. Tout droit comme ça. Oh là là, c'est compliqué, hein. Tout droit à gauche. J'ai envie d'aller voir au point d'interrogation quand même. Avant d'aller voir le capitaine Vasco. Oh là là, madame. Excusez-moi. Là, on peut aller à gauche. À gauche? Et puis à droite. Une boîte là. Pièce d'or. Et on pique tout. Désolé, c'était une boîte. Ah ouais, on est carrément au port là, mec. Il n'y a plus le point d'interrogation. Il était par là, non? Il était à gauche. Ah, mais on peut pas aller, c'est un autre secteur, c'est ça? Je sais pas ce qu'il faut faire ici. Putain, il y a des soldats partout. Je sais pas ce que je cherche. Je suis perdu. Regardez, il y a une poulie. Quartier du port. Bon, moi je vais aller voir le capitaine Vasco peut-être. Mais alors si je vais voir le capitaine, on va se barrer, non? On va quitter la ville. J'ai pas fait tous les... J'ai pas fait tout ce qu'il y avait à faire peut-être. Les quêtes principales. C'est où qu'on voit les quêtes? Les quêtes. Ah voilà, quêtes. Dédommager le tavernier. J'ai pas fait avec des pièces d'or, moi j'ai réparé. À Constantin. Quête annexe. Les marchands. Ou un moyen de faire passer la guérison. La chasse aux hérétiques. Trouver le passeur. Disparition chez les notes. Affiché sur la carte. Ah bah c'est avec capitaine Vasco qu'il faut lui demander. Ok. Capitaine Vasco. Constantine Dorsay, future governor of Tir Fredi. I'm enchanted, captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, your highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Et je vais pas partir maintenant, hein. Tu rigoles? Attends, j'ai ce qu'a demandé Madame Fontaine.
I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nauts, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Naut. Our ships are his home. We are his only family. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Naut? Our magic, yes. That only the Nauts master. Bien ce jeu, hein. J'aime vraiment bien. He is a Naut from birth. Others are sea-gifted, joining the Nauts for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Could you tell me anything about our destination, the island of Tirfredi? It is a magnificent place, wild, spared from your wars and your mines for now. The natives have a relationship with their land, and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming. They will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. What do you think of our port? You're referring to this one? It is the biggest high sea, thanks to your prince, even though it remains part of your certain zones are owned completely by us. And it's a good port. Right now. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We'd like to bring some merchandise into your ship's hold. You're too late for that. All merchandise must be registered at the port authority, and the formalities are long. So. Unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel. I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tirfredi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and no stone manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. Commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the harbour master's office. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Oh, how I would like my father to be implicated in this sordid business. Our old teacher must surely know what's going on here. Let's go talk to him. Allez, on va demander des renseignements à notre maître, monsieur de Courtillon. Courtillon. Youhou! Your Highness, I'm happy to see you. C'est bizarre, hein, lui. This morning worried both your father and me. Come now, Sir de Courcillon. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I'm sad to have caused you any worry. Would you believe that I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me?
Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when... Ta-da! Ta-da-da! Your cousin jumped up out of nowhere and saved me. Oh, une vraie princesse. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an event. Ah, j'adore ce jeu, il est trop cool. Take away the risk and half the pleasure, de Cossilly. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. But you wanted to ask me something, De Sade? I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son, who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, De Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there has always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such a court, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Yes? Well, how can your old professor be of service to you? I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Ouh là 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 là, tout ce qu'il nous faut faire. Capitaine Vasco, capitainerie. Refaire la maison famille Fontaine. On peut se TP ou pas? On peut pas se TP là-bas? Ok. Écoutez les amis, on va terminer cet épisode ici. Parce que... on va faire une petite sauvegarde. Et voilà. On a fait petite sauvegarde. Ce jeu est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi il me plaît autant, mais je suis vraiment pris par l'histoire. Les quêtes sont bien faites. C'est bien scénarisé. Voilà, c'est un peu brouillon dans les combats, mais ça va. C'est pas mal du tout. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine fois, prochain épisode. Très bientôt. Ciao, ciao. Prochaine vidéo. Yo.